Yes, salut à tous, c'est Steven de Missal. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Panini qui revient, les amis. On est ensemble pour Panini, quoi. Regardez ce paquet que j'ai acheté. Dans une autre vidéo, je vous montrerai aussi mon livre spécialement parce qu'il s'est un peu rempli parce que j'ai eu des doubles de quelques personnes qui m'en ont donné. Du coup, il a rempli un petit peu beaucoup même. Donc ça sera dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on est là pour ouvrir ce petit paquet que je vais montrer à cette caméra-ci. Regardez, voilà. Donc pas mal, il y a 15 pochettes plus 2 offertes. Donc on va voir ce que ça donne, les amis. On va ouvrir ça de suite. Et puis on va en ouvrir bah je sais pas, on va voir comment ça va se présenter. Tac tac tac, donc 15 plus 2 ça fait 17 si mes souvenirs sont bons en mathématiques. Donc voilà, les paquets sont ouverts. Regardez-moi ça, j'en ai, 18, hein, voilà. Et non, t'as pas suivi, il y en a 17. 15 plus 2, ça fait 17. Voilà. Alors, on va en prendre 1, 2, 3, 4 et 5. 5 paquets pour cette vidéo aussi. Donc voilà, les amis, on a 5 boosters à ouvrir. On va juste mettre la caméra comme ceci, voilà. Et on va ouvrir le premier paquet. C'est parti, oula, faut pas que je mélange avec les autres, voilà. Tac, premier paquet, est-ce qu'on va commencer par un René? Ça serait vraiment formidable. Voilà, formidable. Bon, si vous voulez m'entendre chanter, vous pouvez voir mon autre vidéo qui s'appelle, je chante avec un crayon, tout simplement, c'est vraiment magique. Donc les amis, on commence, c'est parti avec le petit code ici qui fait plaisir, qu'on met ça de côté. Et on enchaîne avec une carte brillante directement. De la S Saint... Hein? Du FC Nantes? On commence par le FC Nantes, bordel de merde! Donc, le Toulousain Corentin Jean. Nous avons le Lyonnais Nabil Fekir. Le maillot de l'Olympique Lyonnais également, qui est très très bien la matière. Si vous n'avez pas vu, et ben... oula, voilà, ben, vous n'avez pas vu. Hein, tant pis pour vous, tout simplement. Et ensuite, nous avons le joueur du LOSC. Alors, je sais pas c'est qui. Je n'arrive pas à deviner. En tout cas, c'est un joueur du LOSC. Hein, de Lille, hein, pour ceux qui préfèrent. Et c'est parti. Le premier paquet. On n'a pas eu de Rennes, mais on a eu un Nantais. Voilà, vous avez bien vu ma réaction. C'est parti. On enchaîne avec un Dijonais, un ancien Rennais. Wesley Saïd. Wesley Saïd, très très bon joueur de Dijon. Ensuite, Florent Balmont est de Dijon également. Bah, disons, ça en fait. Ça va, c'est bon. Donc nous avons un Montpelliérain et un Amiénois ici. Et là c'est le code qu'on s'en fout un peu. Je me suis déglingué. Donc les amis, on va ouvrir ce troisième paquet maintenant. Tac tac tac. Nous avons Brian Fernandez. Oula, il y en avait deux. Nous avons l'équipe de Valenciennes en Ligue 2. Strasbourg avec Dimitri Liena, très très bon joueur de Strasbourg. Avec Kevin Malcuit, l'ancien Stéphanois à Lille. Et Lucado, le joueur de Guingamp. On est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le quatrième paquet. Pof. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Aïe, aïe, aïe. Ouï, ouï, ouï. C'est parti. Polodop. Alors, on est parti avec Dijon, avec Tcheka. Ensuite, le Niçois, le Niçois, Willan Cyprien. Le Lyonnais avec Ferland Mendy. Amiens avec, Angers, pardon, avec Ken Kaon-Fonfon, très bon joueur aussi. L'entraîneur Jocelyn Gavanec, qui n'est plus à Bordeaux à l'heure que je tourne cette vidéo, il a été limogé, hein, de son poste de Bordeaux. Il n'est plus l'entraîneur du Bordelais, tout comme Toulalan qui a résilié son contrat à Bordeaux. Voilà, je suis Rennais, mais je m'informe quand même des autres clubs de Ligue 1 et du championnat, même autre que la Ligue 1. Allez, on enchaîne avec le dernier paquet de cette série, enfin, le dernier paquet de cette ouverture, de cette vidéo, pardon, avec Kylian Mbappé, qu'on n'a pas encore, ça fait plaisir, avec maintenant Machache de Toulouse. Je vais rien dire, on va passer outre, on va juste dire Claudio Ranieri. Et nous allons dire Thomas Mangani et Mathis Perra. Pas de Rennais dans cette vidéo, les amis, malheureusement. Mais on a quand même eu quelques bons joueurs, quelques bonnes cartes quand même avec par exemple Kylian Mbappé. On a également eu des brillantes au départ avec, voilà, hein, voilà. Donc, donc les amis, voilà, donc c'était une petite vidéo. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de Panini sur ma chaîne parce que j'avais fait
J'avais testé d'autres vidéos, j'avais fait des vidéos qui me plaisent aussi à faire parce que ça, bah ça aussi ça me plaît, hein, vous inquiétez pas. Mais les autres aussi me plaisent, donc j'avais envie de les faire aussi. Et puis bah on va se retrouver très prochainement sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. C'était Cyril Michel. Tchuss.